Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Jovap. Voilà, je tenais à vous faire une petite vidéo sur la vape et le Covid. Voilà, là je retourne faire un test antigénique. Pardon, PCR. Voilà, regardez, il y a la queue. Il y a la queue, j'attends. Voilà, on est là, centre de dépistage. J'ai été positif, c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire de revue. Je suis désolé les amis. Voilà. Mais je tenais à vous faire ce petit retour. Excusez-moi, je fais un peu la vidéo rapidos. Je suis un peu fatigué. Voilà. Profitez-en. Parce que quand vous avez le Covid, vous n'avez plus de goût, vous n'avez plus d'odorat. C'est horrible. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que cette merde elle est sortie, que je l'attrape. Voilà, je l'ai attrapé. Profitez-en pour vaper des produits que vous n'aimez pas. Franchement, voilà, comme certains collègues me l'ont dit sur un chat. Et ils ont tout à fait raison, c'est une manière simple et efficace de pouvoir économiser ces produits, voilà, que l'on aime, et de continuer à vaper sans jeter ces anciens produits, pourquoi pas. Et vous verrez, non, j'espère pas, attendez, qu'on se remette bien où il faut, j'espère pas, mais... Si par malheur il vous arrive d'avoir le Covid, j'espère que ça s'arrangera pour vous. Bien évidemment, oui, ça va s'arranger parce que vous êtes des gens intelligents et vous allez faire attention. Ça, je le sais. Alors, vous mettez vos produits que vous ne vapez jamais à l'intérieur de votre cigarette électronique, peu importe votre matos. Passez-le à ce moment propice. Voilà, au moment où vous êtes emboucané, à ce moment-là, je l'espère toujours pas. Je vous fais pas cette vidéo pour vous dire j'espère que vous allez être emboucané et passer vos produits. Loin de là, je ne suis pas une personne comme ça. Mais voilà, c'est un petit conseil parce que personne n'est à l'abri de cette merde. Voilà, passez vos produits à l'intérieur. Et voilà, voilà, juste pour info. Attendez, excusez-moi. Je suis en train de vaper un die que j'avais fait de chez Medusa Joyce. Voilà. Je ne me rappelle même plus lequel c'est. Et de toutes les manières, je ne peux même pas vous dire lequel c'est parce que je n'ai aucun goût. Voilà, vous pouvez mettre du Red Aster, du Heisenberg, de l'extra frais, des fusils, de ce que vous voulez. Il n'y a rien qui passe. Je n'ai aucun ressenti. Voilà, même pas l'aspect fraîcheur reste collé sur mon palais. Je n'ai aucun goût. Voilà, donc pour vous dire, n'hésitez pas à profiter de certains produits qui sont destinés à la poubelle ou à être troqués ou à être vendus ou à être donnés. Voilà, n'hésitez pas, ça peut vous faire économiser pendant ce laps de temps où vous êtes malade. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas une vidéo très très gaie que je vous fais. Voilà, mais... comme vous le savez, je suis de très bons conseils et je ne suis pas pour que les gens jettent leur argent par les fenêtres, malgré que cette pandémie nous a tous mis dans la merde, ça c'est clair et net. Justement, avec la vape, ça serait bien d'arrêter les frais. Et voilà, si vous continuez à vaper avec de la nicotine, parce que malgré tout, si vous êtes encore sous nicotine, vous avez besoin de nicotine et vous avez besoin de vaper. Donc n'hésitez pas à vaper vos produits que vous n'aimez pas. Vous allez voir, ça va passer comme une lettre à la poste, sans problème. Voilà les amis, écoutez, petite vidéo très très courte. J'espère que ça a pu vous aider, j'espère que ça ne vous aidera pas, j'espère que vous n'attraperez pas cette merde et que vous n'écouterez pas mon conseil car vous n'en aurez pas besoin. Mais pour tous ceux qui auront besoin de ce conseil, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai proposé, vous verrez, ça reste une alternative très sympathique. Voilà les amis, je reviens vers vous dès que
je serai mieux. Dès que j'aurai un peu de goût au niveau du palais, parce que là, c'est pas possible. Vous pouvez me donner du brocoli, des choux de Bruxelles, de l'ail cru, de ce que vous voulez. Pour moi, je fais aucune différence, c'est à bouffer. Voilà, donc c'est horrible. Et n'hésitez pas, vapez vos produits qui sont dans votre placard et qui sont destinés à partir de chez vous et que vous ne voulez plus entendre. Économisez vos produits, vos all day, tout ça, économisez-les. Les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Attention à vous et je vous fais de gros gros bisous à toutes et à tous. À la prochaine.